Bonjour et bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres. Le Rwanda poursuit sa campagne de vaccination contre la Covid-19. Le pays a commencé à vacciner en février. Les groupes les plus exposés, comme les travailleurs de la santé, campagne soutenue notamment par l'Organisation internationale de la francophonie. Dans ce journal également, le défi de la mobilité urbaine au Burkina Faso. Pour l'instant, les réseaux demeurent très peu développés. Le gouvernement compte débloquer plus de 52 milliards de francs CFA pour améliorer et moderniser les services d'autobus. L'Afrique dans la course au vaccin contre le coronavirus. Quand est-ce que les Africains pourront à leur tour être immunisés et avec quel vaccin? Nous ferons le point dans ce journal. Mais tout d'abord, l'actualité en Côte d'Ivoire où le RHDP, le parti au pouvoir, a obtenu la majorité aux élections législatives du 6 mars selon les résultats publiés ce mardi par la commission électorale. Une majorité aux législatives avec 137 sièges sur 254 à l'Assemblée nationale contre 91 pour les partis d'opposition. Mais avec ses 137 sièges, soit 54%, le RHDP perd la majorité qualifiée des deux tiers qu'il possédait depuis les dernières législatives. Le Rwanda est l'un des premiers pays africains à recevoir des vaccins Pfizer-BioNTech. Le pays d'Afrique de l'Est a reçu il y a quelques jours 340 000 doses du dispositif onusien COVAX de deux laboratoires européens et poursuit sa campagne lancée en février, une campagne de vaccination saluée notamment par Louise Mushikiwabo, la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, qui est en visite dans le pays. Reportage entre correspondants au Rwanda, Frater Ndaki Aisenga. Durant sa deuxième journée de visite officielle au Rwanda, la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie a visité l'hôpital du roi Faisal à Kigali, la capitale rwandaise. Accompagnée du président du Conseil de l'Union européenne et d'une députée du Parlement de la même organisation, Louise Mushikiwabo a fait le tour de différents services de l'hôpital de référence avec un arrêt spécial au centre de vaccination contre le Covid-19. C'est pour à la fois montrer cette solidarité, mais aussi sur le plan concret, d'accompagner ce geste des pays du Nord vers les pays du Sud qui s'est manifesté à travers cette initiative COVAX à laquelle l'Union européenne a contribué énormément. Et donc c'est dans ce cadre qu'on est ici. Alors le message c'est que en cette période compliquée, sur le plan sanitaire, sur le plan économique, nous avons besoin les uns des autres. L'efficacité, c'est le mot employé par la secrétaire générale pour féliciter les efforts fournis par le Rwanda dans la campagne de vaccination contre le coronavirus. Cette visite à l'hôpital vient après une autre au centre de santé de Mayange à l'est du Rwanda. Ce n'est pas facile, vous savez, de gérer d'abord la crise sanitaire qui a des conséquences énormes sur la vie de tous les jours des citoyens. Ce n'est pas facile sur le plan sanitaire de planifier. C'est une chose d'avoir accès au vaccin, c'est autre chose de gérer effectivement ce vaccin jusqu'à ce qu'il arrive aux bénéficiaires. Le Rwanda a déjà reçu plus de 340 000 vaccins de l'initiative COVAX et en attend encore 500 000 doses cette semaine. Jusqu'au 7 mars, près de 160 000 Rwandais avaient reçu leur premier vaccin contre le coronavirus. Au Sénégal, le mouvement de défense de la démocratie, le M2D, qui rassemble des partis d'opposition, dont le PASTEF d'Ousmane Sonko, ainsi que des mouvements comme Yanamar, appelle à suspendre les manifestations, dont celle prévue ce mercredi. Il s'agit pour la plateforme de marquer une pause afin de décider de la suite à donner à la mobilisation. Cet appel intervient après la libération de l'opposant Ousmane Sonko et l'appel au calme du président Macky Sall. À noter que le M2D, dans un communiqué, réaffirme, je cite, sa détermination à poursuivre la lutte démocratique et pacifique. Il a appelé les Sénégalais à manifester samedi à Dakar et dans le reste du pays de manière pacifique pour la libération des prisonniers politiques.
On en vient à présent à la question de la mobilité urbaine, un véritable défi, notamment au Burkina Faso, où les réseaux restent très peu développés. Mais pour tenter de changer cette situation devenue insupportable pour les usagers, le gouvernement compte débloquer plus de 52 milliards de francs CFA pour moderniser des services d'autobus. Mais le dispositif ne concernera qu'une partie du territoire. Lorita Simbou. Au Burkina Faso, le projet de mobilité urbaine du Grand Ouaga se concrétise peu à peu. Dans le cadre de la deuxième phase de ce projet, le gouvernement burkinabé va mobiliser près de 52 milliards de francs CFA. Selon le ministère des Transports du pays, c'est un total de 330 bus qui seront déployés pour faciliter la mobilité urbaine, dont 230 pour le projet Grand Ouaga et 100 bus dans le parc automobile de la Société de Transport en Commun de Ouagadougou pour la location. La mobilité urbaine est au cœur des préoccupations contemporaines en matière de développement et d'aménagement urbain. Les enjeux démographiques et ceux liés à la préservation de la qualité de vie dans la capitale poussent les autorités à développer davantage le transport en commun qui a beaucoup d'avantages. Il permet par exemple aux particuliers d'économiser de l'argent. Et à l'échelle locale, un système de transport en commun développé augmente la valeur des propriétés et rend la ville plus attractive pour les entreprises et les investisseurs. Par ailleurs, une grande proportion de transports collectifs limite aussi les besoins en nouvelles routes. Conscient des enjeux de mobilité à venir dans le pays, les autorités burkinabées souhaitent rapidement que cette deuxième phase se concrétise. Le Grand Ouaga est un espace géographique d'une superficie d'environ 3304 km², comprenant la commune de Ouagadougou et 7 communes rurales périphériques. Il compte plus de 3 millions d'habitants. Pour étendre ce projet dans les autres localités, le gouvernement burkinabé doit continuer à nouer des partenariats stratégiques permettant de mobiliser davantage de ressources pour réaliser les investissements nécessaires. Un impératif, ne serait-ce que pour maintenir l'effort de rattrapage engagé en matière d'infrastructures urbaines, pour favoriser un développement équilibré du territoire communal dans une logique d'intégration et de cohésion sociale. Notons que le projet de mobilité urbaine à Ouaga figure parmi les 3 programmes prioritaires du plan national de développement économique et social 2016-2020 du pays. Sa mise en œuvre est d'autant plus pressante car la population dans la capitale est appelée à doubler d'ici 2030 selon plusieurs analystes. Afin de stimuler la production nationale, le Kenya a décidé de suspendre ses importations de maïs en provenance de l'Ouganda et de la Tanzanie. Maïs qui contiendrait par ailleurs des substances toxiques. Alors le gouvernement kényan a lancé depuis plusieurs mois une stratégie destinée à promouvoir les filières locales. Mais la production nationale est encore très faible. Alors avec l'arrêt des importations, nombreux sont ceux qui craignent à présent une flambée des prix de cette céréale. Samantha Saberu Sabubanga. Le Kenya suspend les importations de maïs en provenance de la Tanzanie et de l'Ouganda. Cette interdiction est liée à des problèmes sanitaires. En effet, des tests effectués sur ces produits importés ont révélé deux niveaux élevés de substances toxiques. C'est pourquoi ce pays d'Afrique de l'Est a adopté des mesures pour augmenter la production locale de ces denrées de base très consommées. L'annonce a été faite par l'autorité kényane de l'agriculture et de l'alimentation. Cette suspension du Kenya au sujet des importations de maïs en provenance de la Tanzanie et de l'Ouganda n'est pas surprenante pour plusieurs raisons. La première, le prétexte sanitaire qui est invoqué au sujet du maïs peut être cohérent et peut être plausible. En revanche, ce que nous savons maintenant depuis plus de 5 ans, les autorités réfléchissent à reprendre la main sur ce produit fortement consommé par la population locale. Cette décision va impacter le commerce dans la région est-africaine, mais également les relations entre le Kenya et ses deux principaux fournisseurs. En raison de la faiblesse de sa production nationale, le pays dépend de ses deux partenaires pour assurer ses besoins, assurant ainsi des gains importants à Dodoma et à Kampala. Le Kenya n'est pas un pays isolé concernant les importations du maïs, puisque l'autre voisin, le Rwanda, a adopté aussi il y a plusieurs années la même politique s'agissant des importations du maïs, en soutenant également son activité locale et ses producteurs locaux. Afin de stimuler la production locale, les autorités kényanes avaient annoncé de nouvelles mesures en septembre 2020 pour baisser le coût de la production de maïs dans le pays. Cependant,
cette dernière reste faible et l'interdiction des importations pourrait faire grimper les prix de cette denrée de base. Une situation qui risque d'être difficile à tenir dans un contexte social tendu, aggravé par la crise sanitaire. Petit à petit, les pays africains se mettent au diapason des autres nations dans la vaccination contre la COVID-19 grâce à COVAX, le système mis en place par l'OMS qui vise à permettre un accès aux vaccins aux pays en développement, parmi lesquels les États africains ou les systèmes de santé figurent parmi les plus fragiles de la planète. Mildred Diamou. La résurgence de l'épidémie d'Ebola et la pandémie de COVID-19 en Afrique rappelle à nouveau l'urgence de renforcer la fabrication locale des vaccins. D'après des experts sanitaires, si le continent connaît une amélioration globale dans la gestion de ces maladies, le manque de vaccins pourrait saper les efforts réalisés jusque-là. Nous avons une formule simple. Vaccin plus vaccination égale sauver des vies. Nous devons nous concentrer sur la fabrication locale pour assurer une livraison adéquate des vaccins. Africa CDC a lancé l'Alliance africaine de distribution de vaccins pour soutenir la mise en place des centres de vaccination, la formation à grande échelle et la logistique. Nous devons nous mobiliser afin de soutenir une distribution efficace des vaccins à travers le continent. La Commission de l'Union africaine prévoit du 12 au 13 avril 2021 une conférence qui réunira toutes les parties prenantes en vue de discuter d'un cadre sur la fabrication de vaccins à travers le continent. La Commission examine des moyens de soutenir la fabrication locale afin que d'ici 2022, le continent africain puisse commencer à produire des vaccins localement. Ce programme devrait non seulement aider à intensifier le processus de vaccination, mais aussi renforcer les industries manufacturières du continent. Nous devons utiliser la crise sanitaire liée au COVID-19 pour renforcer notre fabrication locale à travers le continent, afin d'éviter la course aux vaccins à l'avenir. Nous devons également établir des hubs d'excellence à travers le continent pour qu'ils puissent s'impliquer dans la recherche et le développement des vaccins. Même si l'Afrique connaît une tendance à la baisse au regard de la pandémie, il est plus qu'urgent et une responsabilité collective de continuer à respecter les règles d'hygiène afin de maintenir la courbe descendante selon Africa CDC. L'Afrique signale désormais près de 4 millions de cas de COVID-19 pour 3,5 millions de guérisons et 104 000 décès. En à peine quelques années, véritable percée du slam sur le continent africain, une poésie qui permet à ses acteurs de rester uniques dans leur art, à l'instar de Peter Kamondois, l'un des pionniers du slam en République démocratique du Congo. Reportage signé Jacques Amboka. Il s'est révélé auprès du public comme artiste slameur, un art qui consiste à écrire et porter sa poésie à l'oral. Cependant, Peter Kamondois se veut un auteur tout court. Ce jeune Congolais force l'admiration du public par ses poèmes. Cet art, un peu plus réservé à une certaine classe, prend petit à petit d'ampleur à Kinshasa. Je suis aussi dans la démarche de message panafricain, parce que je considère, en tout cas j'inscris mon travail dans la continuité de ceux qui ont travaillé pour l'émancipation de l'intellect noir. Et mon travail est un travail sur la garantie de la mémoire, continuer à travailler pour que la mémoire ne s'efface pas, pour que voilà, on se souvienne d'où on vient, d'où on est et d'où on veut aller. En 2016, il a sorti son premier album intitulé « Étiquet » qui veut dire « Orphelin » et s'en suivront d'autres comme « La vie est cool »,« Terre d'accueil » pour ne citer que ceux-là. Plusieurs stations de radio dans la capitale reprennent ses réalisations qui abordent les grandes questions de la société. J'ai grandi sans père, verrai-je mes gosses grandir. La mort s'insinue en moi et pourtant je ne suis pas prête à partir. Ma chair est toute verte, j'ai encore deux ou trois choses à maudire. Il me faut deux vies pour expier mon fleuve d'iniquité. Quand tu me serres la main, souviens-toi que Nazam au sang tout est. Je suis perdu quelque part entre le diable et les bons dieux. Moi j'ai peur d'aller en enfer et le paradis me semble trop luxueux. D'un coup ma coupe déborde des coulpes, attendant le coup qui me fera tomber. Nzambe Batelanga na manzaka ya bayina salama be.
C'est en 2008 que ce jeune, qui développait déjà les aptitudes poétiques depuis l'enfance, s'est orienté vers le slam. Dans son art, Peter dit mettre les mots dans l'intimité. Il parle des choses qu'il ne peut aborder dans une conversation normale. Devant le public, il touche les cœurs par la profondeur de son art, si rythmé et cadencé, il captive et emballe son public qui reste bien admirateur. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.